어떻게 보면은 그 배우들의 그 배우들 연기를 어떤 방향으로 이끌어가느냐에 대한 방법론에 관련된 이야기가 나왔는데 사실 뭐 예를 들면은 그 호베르 브레송 영화 속에서의 배우들 브레송이 얘기했던 어떤 모델로서의 배우들을 그 존재를 느끼는 것과 또는 고다르 영화 속에서의 인물들 또는 알랭 헤네 감독님이 초창기에 뭐 라네데어니아 마리엔바드 지난 여름 마리엔바드의 작품에서 보여줬던 히로시마 문헌이라든가 이런 인물들과 후 나중에 드라마 극적인 어떤 연기를 보여주게 되는 드라마의 인물들을 볼 때 굉장히 다르거든요. 근데 감독님 영화는 속에서의 인물들의 연기는 마치 그 제가 느끼기엔 감독님이 어떤 나의 것에 가장 자연스럽게 그 있는 그 순간 속에 있는 어떤 것을 기다려서 잡으려고 하는 듯한 포착하려고 하는 듯한 그런 느낌이 들기도 하거든요. 근데 그거는 처음 첫 작품 레전폼 대작들에 어울리지 않는 아이들 어울리지 못하는 아이들 때부터 항상 똑같았던 것 같아요. 제가 보기에는. 그러니까 이게 드라마로 내러티브가 있는 영화로 해서 드라마로 만들어졌던 배우들의 연기나 일단 처음에 그런 그 실험적인 작품 만들 때의 인물들의 느낌도 어떻게 보면은 그 루이 가레르의 모습도 마찬가지지만은 나의 것의 어떤 느낌인데 그거를 흔히가 우리가 그 전에 얘기했던 어떤 추상성이라고 할까요? 배우들 몸 자체가 어떤 순간 속에서 추상적으로 우리에게 다가오게 하는 그 타이밍을, 그 순간을 감독님이 무의식적으로 알고 있는 게 아닐까 하는 생각도 듭니다. 네. 뭐 제가 그런 부분이지만은, 네, 제 생각이고, 네, 이게 어쨌든 이 얘기가 많이 나왔는데, 오늘 본 신작 관련해서 관객분들 좀 질문을 좀 받아본 건 어떨까요? 네, 따로 제 해석에 대해서 이렇게 덧붙이실 말은 없을 것 같아서 네. 관객분들의 질문을 좀 받아볼까요? 네. 오늘 아마 영화를 보시고 이 자리에 오신 분들도 있을 것 같아서 네. 좀 분위기를 네. 전환하기 위해서 관객분들 네. 오늘 영화에서 좀 인상적이었던 거는 나레이션이었거든요. 네, 그게 이제 남녀가 외도를 할 때 자기 변호 할 때 나오는 그런 찌질함을 조금 그 나레이션에서 남자의 입장을 조금 더 자세하고 솔직하고 지나치게 자세하게 설명을 한다는 느낌을 받았어요. 그래서 그 나레이션에 이제 시나리오를 쓰신 분이 혹시 여성이지 않을까 그런 생각을 좀 했었는데 나레이션이 이제 넣어줬던 영상으로 충분히 다 설명할 수 있었던데 굳이 나레이션을 넣었던 이유가 있을까? La voix off. Oui. La voix off. Qui a posé cette question? Pardon, je n'arrivais pas à savoir d'où venait là. À un moment, j'ai effectivement pensé à faire que la voix off c'était une femme. Mais quand j'ai essayé, quand j'ai demandé à une comédienne avec qui je travaillais sur un autre rôle de le lire, ça ne marchait pas, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que ce film, quelque part, comme le souligne tout le temps Caroline, c'est un film anti-misogyne en fait. Mais pour être anti-misogyne dans sa dialectique, il comprend quand même le fait que la misogynie existe. Donc c'est un film qui lutte contre l'analyse misogyne de la sexualité et de la libido féminine, mais en même temps, il s'appuie sur le fait de contrer cette misogynie. Donc je pense que c'est pour ça que ça fonctionnait quand c'était un homme qui lisait et que ça fonctionnait plus quand c'était une femme. Et sinon, par rapport à cette question de relation, enfin de regard particulier sur les acteurs, on pourrait dire que c'est l'affect
qui est différent que j'ai sur les acteurs. Et ça, je pense que ça vient du fait que, comme j'aimais énormément mon père, que c'était un des amours de ma vie, si on peut dire, pour moi, tout acteur, quelque part, vit que mon père a été très pauvre comme acteur de théâtre, etc. Et tout. Quand j'étais petit, que je le voyais, il était très très pauvre. C'est quelque part, j'ai quelque chose qui est plus que du respect pour l'acteur, j'ai une espèce d'empathie pour le fait d'être acteur et d'avoir la vie d'acteur à exécuter. Et donc j'ai un affect, je pense, qui est avec ma caméra, qui est différent de ce qu'ont d'habitude les metteurs en scène quand ils filment des acteurs. Et ça, cet affect-là, Godard l'avait vu parce que dans un livre, j'ai vu, il parlait de ça, il disait que c'était très rare, parce que de temps en temps, Godard m'a défendu, etc., beaucoup, tout ça, et il disait que c'était très rare l'affect que j'avais pour les personnages dans les films, et pour m'aider à comprendre, à un moment, il disait, je n'ai vu ça que chez John Huston. Et effectivement, quand je pense au film de John Huston a une espèce de douceur énorme vis-à-vis de ses personnages dans ses films, qu'il n'y a pas dans les autres films d'Hollywood. Et donc j'arrive à comprendre ce qu'il veut dire, mais je pense que ça c'est parce que je suis le fils d'un acteur, et donc j'ai conscience de ce qu'est l'existence d'un acteur et comment c'est difficile. Donc je pense que quand je les dessine avec ma caméra, j'ai pas le même regard sur eux, j'ai un regard qui est d'une autre empathie. Et sinon, pour la voix off, pourquoi avoir mis une voix off? Alors, c'est pour dire, comme c'est très compliqué quand même cette histoire de parce que la base théorique du scénario, du film, c'était que la puissance de la libido féminine est aussi forte que la puissance de la libido masculine. Mais ça, c'est une chose qui est moderne en vrai. C'est une chose qu'on a découvert il n'y a pas plus d'un siècle. Parce que quand, à un moment, j'ai fait une psychanalyse avec un vieux psychanalyste de 95 ans, à l'époque où je débutais ce film, et je lui ai dit... c'était un vieux psychanalyste qui s'appelle Mustapha Safouan, un lacanien, on dit en France. Ça, c'est très compliqué pour les cohérents de comprendre, mais bon. Et je lui ai dit, est-ce que vous ne pensez pas que la libido féminine est de la même force que la libido masculine? Et il m'a répondu, vraisemblablement. Comme il avait 95 ans, mais qu'il était quand même très éclairé. Mais je voyais bien que pour lui, dire vraisemblablement qu'il y avait eu une femme, etc., et tout, c'était... Et par là, on est en terrain... on est encore en train de défricher en psychanalyse. Et donc, la base du film, c'est que... Puisque dans la société, si on dit qu'un homme trompe sa femme, ben c'est un bon juin. Et si on dit qu'une femme trompe son mari, c'est une salope, c'est quelque chose qui est la préhistoire. C'est parce que c'est un archaïsme, c'est un atavisme plutôt. Et c'est un truc qu'on traîne, qui vient de nos sociétés anciennes. Et donc l'endroit où le film essaie d'être progressiste, c'est dans le fait de dire si une femme... trompe son mari, ben c'est une nymphomane, c'est tout. C'est pas... Déjà, nymphomane est teinté de critique. Enfin, une érotomane, on pourrait dire une donjouan, il n'y a pas de mot. On pourrait dire une... Il n'y a pas de mot, d'ailleurs, il n'y a pas de mot. Une donjouan, s'il y avait un mot qui ferait que... C'est... On est sans critique. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de mot, ma femme. Oui. Non, ça n'a rien à voir, mais ça a à voir avec la sexualité, quand même. Mais... Oui, parce qu'on admet que les hommes... Non, mais c'est dans le sens où on admet que les hommes ne pourraient pas faire autrement, qu'ils ont une sexualité qui est débordante. Et si on comprend que la sexualité de la femme, elle est aussi débordante et qu'elle ne peut pas faire autrement, ce qui est vrai, ça nous paraît choquant, parce que tout de suite, on dirait une nymphomane. Donc, au sens où toutes les femmes sont nymphomanes. Comme une femme qui disait...
enfin, je sais pas. C'est compliqué. Enfin, là, on marche en terrain. On est vraiment au 21e siècle, par là. On n'est pas au 19e. Et donc, c'est ça, quand même. C'est ce film-là, sur ce plan-là, il est très honnête de dire oui. Si une femme, au bout d'années de couple, trompe son mari, oh ben elle pouvait difficilement faire autrement. Au bout d'années de vie de couple, si un jour elle fait un écart, même avec la plus grande fidélité qu'elle puisse avoir démontré, elle pouvait difficilement faire autrement, et c'est propre à la libido féminine qui est, je pense, de la même puissance, comme on a bien prouvé que les femmes étaient de la même intelligence que les hommes. Tantôt, on pensait que les femmes n'avaient pas d'âme. Après, on a prouvé que les femmes avaient une âme comme les hommes. Tantôt, on pensait, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 siècles, on pensait que les femmes étaient beaucoup moins intelligentes que les hommes. Maintenant, on a prouvé que les femmes étaient de la même intelligence que les hommes. Et maintenant... Non, si tu es intelligente, c'est que tu penses en dessous que sur un certain point, mais pas sur un certain autre. Oui, parce que si on reprend cette histoire de sexualité, si vous demandez à quelqu'un de très frus culturellement, est-ce que les femmes ont autant de besoins sexuels que les hommes, elles vous répondront, ah non, les hommes ont beaucoup plus de besoins sexuels. Et si tu demandes à un intellectuel de nos jours, si, est-ce que les femmes... ont les mêmes besoins sexuels que les hommes, chez les intellectuels, ils répondent beaucoup plus de besoins sexuels que les hommes, maintenant. Et ça, je pense que c'est faux, c'est pour ça que je te citais ça, tu comprends? C'est qu'en dessous, l'égalité, c'est l'égalité. C'est pas la similitude, hein, parce que l'intelligence féminine, c'est pas l'intelligence masculine, la libido féminine, c'est pas la libido masculine, et l'âme féminine, c'est pas l'âme masculine. Donc c'est pas une question de nature, c'est une question de force et d'importance dans le comportement. 그 어떻게 보면 질투에 비해서 굉장히 복잡한 문제인데 어떤 그 성 여성과 남성의 어떤 성적 어떤 우리가 갖고 있는 어떤 통념과의 대립되는 어떤 그런 지적인 그 감독님의 노부시라고 했던 그 같고 그런 어떤 정치적인 담론이 없잖아 있는 그런 작품인 것 같습니다. 그런데 이제 이 전 이 작품 전에 밤바람이나 르봉드람이나 또 그 아네트 폴러 그 뜨거운 여름과 같은 또 시기가 있었거든요. 조금 약간 좀 그 영화들은 좀 이 영화들에 비해서 조금 예산이 좀 더 들었던 영화인가 배우가 스타가 나왔기 때문에 어떻게 차이가 있는지 그 이 두 작품 만들 때랑 또 질투와 이 여자들이 그림자를 만들 때가 어떤 그 차이가 있는지를 좀 듣고 싶습니다. Mais c'est le star system, c'est quand on tourne, si on s'associe avec une star, tout de suite vous avez plein de financiers qui se proposent de cofinancer votre film. Mais j'ai pas compris où était la question. Où est la différence? 작품 관련해서는 그 어떤 특별하게 그 어떤 변화를 꽤 했던 그런 지점이 두 작품 사이에 이 시기별로 그때 있었던가 하는 궁금함이 있는 거죠. C'était plus un problème économique. C'est parce qu'il y a eu, c'est ce dont on parlait l'autre jour avec un journaliste. C'est parce qu'il y a eu la crise économique européenne de novembre 2011 qui fait que je pouvais plus tourner des films avec un budget comme Un été brûlant ou Le vent de la nuit. Et j'avais un projet qui s'appelait La lune crevée, qui était un projet justement dans le Star System. Et quand il y a eu la crise de novembre 2011, j'ai compris avec mon producteur que je ne trouverais jamais le financement du film. Parce que du jour au lendemain, quand il y a eu un krach boursier dans toute l'Europe, dans toutes les bourses européennes, tout d'un coup le cinéma d'auteur s'est trouvé dans une impasse, et où tous les gens qui étaient d'accord pour
investir dans, dans le cinéma d'auteur, on dit non, s'il y a bien une chose qu'on ne fait plus, c'est du cinéma d'auteur. On va faire que du cinéma commercial. Et donc en novembre 2011, j'ai abandonné un projet que j'avais écrit aussi avec Caroline et deux autres co-scénaristes, et qui était La Lune Crevée, qu'on avait travaillé un an. Et j'ai compris, tout de suite après, j'ai commencé à vouloir monter le film, et la crise venait de se passer, et j'ai compris qu'il fallait surtout pas insister. Et donc très vite, on a réécrit en trois mois un autre scénario d'un film minimaliste, comme s'appelait ça, c'était La Jalousie. Et donc c'est plutôt qu'il faut être très... pour être metteur en scène et continuer à travailler, comme c'est une industrie, il faut énormément étudier ce qui se passe économiquement dans son pays et ou dans les pays coproducteurs pour arriver à savoir quel type de film on peut faire et avec quel budget. Et tout d'un coup, j'ai divisé mon budget par deux, je tournais 40 jours, et j'ai tout d'un coup passé mon film suivant à 21 jours, la moitié, j'ai descendu mon salaire et j'ai divisé mon budget général par deux. Et si j'avais pas fait ça, je n'aurais pas pu tourner un film suivant. Et donc, dans le métier de metteur en scène, il y a énormément d'études de la situation économique et industrielle du cinéma pour pouvoir mettre un film après l'autre. Mais je pense que ça a toujours été comme ça. Je parle du cinéma. Le cinéma a toujours été très, 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 très difficile pour tous les metteurs en scène de toutes les générations de cinéma. Là, je lis un livre de Jean Renoir. Pareil, on imagine après que Jean Renoir étant le plus grand metteur en scène français, c'était facile pour lui de faire des films. C'était très difficile, très souvent. Et Maurice Pialat, quand il est mort, quand il était trop malade pour pouvoir espérer faire un autre film, tout d'un coup, dans une interview, il a lâché la vérité. Et il a dit, alors qu'il était à l'époque sacré comme le plus grand metteur en scène français, et il a dit, franchement, sur le plan de la production, le cinéma, moi j'ai trouvé que c'était une histoire de fou. C'était tellement compliqué que c'était une histoire de fou. Et c'est pour ça que s'il y en a qui ont pensé aussi à la peinture ou à la littérature, peut-être qu'ils ont encore, ils devraient bien repenser à ça, parce que le cinéma est quand même une histoire de fou. Si j'ai encore quelques films à faire, mais je dois dire que le fait que ça soit une industrie, je crois que c'est parce que c'est industriel et qu'il s'agit de sommes très élevées. Je crois qu'il n'y a que l'architecture qui se promène dans des complications pareilles, je crois, quand on parle avec des architectes. C'est très compliqué, comme ça coûte très très cher de construire. C'est très compliqué de construire selon ces desiderata, hein, j'entends. Et construire, il faut bien construire, parce qu'il faut bien faire des maisons. Mais selon faire des maisons comme les grands architectes, ou les bons architectes surtout, ont besoin de les construire, je crois que c'est très 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 difficile. Parce que la donnée économique, tout d'un coup, c'est des sommes qui ne correspondent pas du tout aux sommes de la vie. Alors que la peinture est faite avec des sommes qui correspondent aux sommes de la vie réelle, la littérature aussi. Le plus, c'est le cinéma et l'architecture, je crois, qui sont deux arts très très compliqués, parce qu'industriels, c'est les deux arts industriels. Mais Philippe, toi, tu avais réussi à signer au moins un chef-d'œuvre, moi je compte plusieurs, mais qui est Léo de Solitude au milieu des années 70, en sortant totalement de l'industrie, puisque c'est un film qui était fait avec rien, avec aucune production, même la pellicule, tu l'as récupérée. Est-ce que tu penses que tu aurais pu continuer en marge totalement de l'industrie? Et c'est une question quasiment physique, est-ce que tu aurais pu tenir, tu vois? Est-ce que tu aurais pu tenir sur les années, faire une vie comme ça? Non, c'est impossible. C'est quelque chose qu'on fait à 25 ans, à 27 ans. Oui. T'avais quel âge, Léo de Solitude, 27? En 74, je devais avoir 26 ans. 26 ans, c'est quelque chose qu'on peut faire à 26 ans parce qu'on... Oui, parce qu'on peut porter la caméra tout seul, parce qu'on peut faire et la caméra et la mise en scène et travailler seul comme technicien et tout le montage derrière seul. Mais ça n'est pas encore usé par... Non, oui, exactement. Le temps, oui. Quoi.
Oui, c'est... Non, non, ça c'était un... Un one shot. Oui, il y a... Enfin, de toute façon, les gens du cinéma vous diront, faire un film, un long métrage, déjà c'est extraordinaire d'arriver à faire un long métrage. Quelqu'un qui arrive à faire un long métrage, c'est extraordinaire, parce que c'est très, très, très compliqué. Et donc, quand il faut en faire un, puis un autre, puis un autre, puis un autre, ça reste, paradoxalement, ça reste très compliqué. Oui, c'est l'enchaînement qui... C'était, Philippe, tu m'as dit que si tu n'avais pas besoin de vivre de ce que tu fais en faisant des films, que tu arrêterais d'en faire. Ah oui, ça fait très longtemps, oui. Ou ça fait depuis... J'ai eu ce problème. Mais moi, j'y crois pas du tout. Je ne crois pas. C'est bon, ce truc-là. Si, que j'ai compris ça en... Enfin, j'ai pensé comme ça en 81, c'est-à-dire il y a 35 ans, 34 ans, j'ai pensé, si j'avais de l'argent, je m'arrêterais maintenant. Parce que... Non, c'est vrai. Parce que... Je sais pas comment expliquer ça. Tu te ferais trop chier. Non, peut-être au bout de 10 ans, si je m'arrêtais, je faisais un autre film, mais... Au bout de 2 ans, tu t'ennuierais à mourir. Non. Tu regarderais la télé. Mais si tu avais de l'argent pour vivre tranquille, tu n'aurais pas... cet argent ? Non, mais... Pour discuter. Hypothétiquement, tu pourrais faire des films tranquillement, sans soucier trop... Tu vis. Non, parce que justement, à la plage, comme le cinéma coûte des sommes qui n'ont rien à voir avec les sommes de la vie, même des gens riches n'ont pas de quoi faire un film. Il faut être milliardaire pour faire un film. Plus que milliardaire, il faut être multimilliardaire, parce que comme ça coûte vraiment très cher. Mais des gens comme Gérard, comme moi, comme Jonas Mekas, on vit en faisant des films, mais on vit pas économiquement. On fait autre chose et on fait des films. On fait des films depuis qu'on est jeune. Ça fait partie de vivre, faire des films. On ne conçoit pas la vie sans en faire. Et l'argent, c'est autre chose. Ah, tu veux dire... Je comprends ce que tu veux dire. Oui, mais comme... Ça ne veut rien dire, parce que souvent, je suis obligé d'être professeur, en plus, pour avoir de quoi vivre, parce que même les salaires de metteur en scène, ça ne permet pas de vivre... toutes les années. Non, mais ça va, j'aime bien. Finalement, c'est vrai, si tu veux que je dise que l'argent est à double tranchant, c'est vrai, c'est aussi dangereux. Et quand on a de l'argent, même les gens qui ont de l'argent ont des soucis d'argent considérables, sont obligés sans arrêt de penser à ça, c'est vrai. Non, mais ça, c'est aussi un enseignement que mon père m'a légué, qu'il ne faut pas être trop riche, il faut avoir juste de quoi vivre et tout. Et moi, ce que je pense, c'est que je pense pas que c'est génial d'être artiste, mais je pense que le reste est pire. Et donc, je trouve que j'ai de la chance d'avoir ce métier, mais je suis moins riche que mon dentiste, je veux dire. Alors que les gens pensent que le metteur en scène, c'est des gens très très riches et tout, mais c'est très souvent des gens qui sont moins riches que leur dentiste. Oui, beaucoup d'artistes paient leur dentiste avec des œuvres. Ouais, des choses, ça peut exister, mais en attendant, c'est un métier qui est très éprouvant quand même. Hein. Ça fait pas une vie simple, quoi. Ça fait une vie quand même. Faut être prêt à avoir une vie assez dramatique si on est artiste.그런 이유가 어쩌면 그 내러티브를 좀 더 이렇게 그 영화 속에서 흡수해서 좀 더 발전시켜 나가는 그런 작업이 된 것은 아닌가 하는 생각도 들어서 잠깐 분위기 전환을 위해서 비밀의 아이 영화의 그 클립을 잠깐 보는 게 어떨까 싶어요. 딱 그
안 비잔스키라는 여배우가 나오는 장면인데요. 잠깐 보시고 다시 이야기를 예, 또 시작하도록 하겠습니다. 네. 굉장히 멜랑콜릭한 장면일 수 있는데 이렇게 보면 그 감독님 영화 속에 이 영화뿐만이 아니라 뭐 저희 그 전시되고 있는 작품이죠. 그녀는 조명등 아래서 그토록 많은 시간을 보냈다는 작품도 마찬가지고 또 더 이상 기타 소리를 들을 수 없어도 마찬가지인데 그 배우의 연기가 문제가 아니라 어떤 그런 감정, 정서의 어떤 형태를 이렇게 그 아름답게 침묵 속에서 보여줄 수 있게 하는데 가레 감독님의 영화만큼 아름다운 영화는 없는 것 같다는 게 저는 많이 느끼는데 이 감독님 영화에 있던 변화와 관련된 이게 물론 경제적인 이유도 있었고 여러 가지가 있겠지만 어쨌든 이 변화가 어떤 변질이 아니라 어떤 원래부터 만들고자 했던 것에 그냥 좀 더 다른 심화로 좀 더 깊게 발전시켜 나가는 어떤 과정이라고 생각이 들거든요. 그래서 그런 의미에서 아마 관객분들도 질문이 좀 있지 않을까. 여기에는 초창기 작품부터 해서 그 신작까지 봤던 그런 관객분들도 꽤 많으실 것 같아요. 그래서 관객 여러분들 질문을 좀 받아보는 게 좋을 것 같습니다. 네. 영화 굉장히 잘 봤고 좋은 영화를 미술관에서만 볼 수 있어서 굉장히 아쉽다고 생각이 들고요. 개인적으로 궁금한 게 한 두 가지 정도 되는데 첫 번째는 대부분의 많은 영화들을 흑백으로 촬영을 해오셨는데 흑백이라는 포맷을 선택하시는 기준이 단순히 미학적인 개인적인 철학 때문인 건지 아니면 내러티브와 관련된 부분 때문에 흑백이라는 걸 선택을 하시는지가 굉장히 첫 번째 궁금했고 두 번째는 아까 바로 전에 말씀하셨던 것처럼 영화 찍는다는 게 금전적으로 작가주의 영화를 만드는 게 굉장히 어려운 일이잖아요. 한국이나 프랑스는. 그럼에도 불구하고 필름이라는 포맷을 아직까지 유지하시는 거에 대해서 굉장히 궁금해요. 한국에서는 2009년 이후로는 제가 알기로는 장편 영화는 더 이상 필름으로 제작이 되지 않는 거라고 제가 알고 있는데 어려움에도 불구하고 필름을 고집하시는 이유와 그리고 디지털에 대한 생각은 어떠신가? 예를 들어서 예로 고다르를 자꾸 말씀하셔서 고다르 같은 경우도 디지털이란 매체를 굉장히 잘 활용하고 있잖아요. 저도 올 초에 미술관에서 해줬었던 언어와의 작별을 3D로 이쪽에서 보곤 했었는데 개인적으로 디지털 관련된 감독님 생각과 그리고
필름을 고집하시는 그런 이유와 그리고 흑백이라는 포맷이 선택되는 그런 것들에 대한 게 어떤 게 있을까 질문 드리고 싶습니다. Alors, le noir et blanc, c'est comme je vous ai dit, parce que je suis je viens de l'envie d'être peintre. Alors, mais plus précisément, dans la peinture, je préfère le dessin de tout. Et quand j'ai fait zéro école de cinéma, mais j'ai fait une école de peinture quand j'étais enfant, à l'atelier des arts décoratifs, c'est une école pour les enfants qui appartient au Louvre, au musée du Louvre. Et une école pour. Et j'ai fait ça quand j'étais. Ça s'appelle l'atelier des moins de 15 ans. Et j'ai fait ça quand j'étais enfant. Et ce que j'ai commencé à préférer quand j'étais enfant, c'était de faire du fusain. J'adorais faire du fusain. Et donc, j'ai gardé ça quand j'ai fait du cinéma. Pour moi, il y a entre dessiner et peindre à la gouache, il y a la même chose qu'entre tourner en noir et blanc ou tourner en couleur. Et sur la question. Donc après, c'est devenu également, très souvent, c'est devenu aussi économique, comme toujours c'est aussi dans le cinéma, l'économie, j'ai expliqué que c'est mêlé à l'artistique. C'est que, d'abord, très longtemps, la pellicule noir et blanc coûtait beaucoup moins cher que la pellicule couleur, mais il n'y a pas que le prix de la pellicule, il y a aussi qu'on peut, par exemple, vous avez vu l'ombre des femmes, les femmes ne sont pas maquillées dans l'ombre des femmes, mais pas du tout maquillées. C'est-à-dire, j'ai demandé aux actrices, vous venez sans aucun maquillage. J'ai pas de maquilleur et elles ne se maquillent pas elles-mêmes. Et ça, on ne pourrait pas le faire en couleur à cause de la couleur de la peau. Il faut maquiller en couleur, sinon les gens sont soit rouges, soit verts, parce que la peau a réagi à la pellicule couleur. Alors qu'en noir et blanc, par exemple, on peut faire un cinéma qui est beaucoup plus économique. On peut aussi tourner n'importe où, c'est-à-dire si vous me disiez il faut qu'on tourne là maintenant ce soir, là, on va vous apporter une caméra 35, je dirais c'est d'accord, mais en noir et blanc. Parce que comme j'ai des goûts chromatiques très, très particuliers, j'aime pas ce rouge par exemple, là, parce que c'est pas mon rouge, mais en noir et blanc ça va, par exemple. Et j'ai horreur dans les films, dans certains films, parce qu'il y a des metteurs en scène qui n'ont pas besoin de. Mais en tout cas, Godard et tout ça, il a besoin d'avoir une esthétique chromatique, comme Antonioni, comme beaucoup de son metteurs en scène. Il y a des grands metteurs en scène comme Fassbinder qui font des films qui chromatiquement sont très très inesthétiques, mais ça n'a aucune espèce d'importance puisqu'ils mettent leur génie ailleurs. Si on parle de Fassbinder, qui était un très grand metteur en scène. Donc il y a le fait que c'est beaucoup plus économique de tourner en noir et blanc parce qu'on peut tourner n'importe où. Et comme j'expliquais tout à l'heure, quand on tourne groupé, il faut pouvoir tourner n'importe où. Si vous commencez à vous déplacer en ville pour aller tourner dans tel escalier, tel salon, telle rue, à cause des raisons chromatiques, c'est beaucoup plus long et onéreux parce qu'il faut se déplacer, etc. Si vous tournez tout groupé, il faut pouvoir tourner dans l'hôtel, la chambre d'hôtel le plus proche, la rue en bas, ici, etc. Donc il y a une raison économique au noir et blanc, et en même temps il y a le fait que j'aime beaucoup faire noir et blanc. Et sinon, pour répondre à votre question sur les techniques modernes, vous dites qu'il n'y a plus personne qui tourne en pellicule en Corée depuis 2009. Donc il n'y a plus de labo. Au Japon. Si vous voulez tourner en pellicule ici, il faut développer au Japon. Non, mais je parle en 35, parce qu'il faut pouvoir envoyer ça dans les projecteurs standards. Et de toute façon, on est au bord de cette situation en France, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a plein de metteurs en scène qui continuent, enfin, il y a quelques metteurs en scène qui continuent à tourner en pellicule, mais on est au bord de plus avoir de laboratoire. Quoi. Il reste un seul laboratoire et il a des difficultés. Un seul en noir et blanc, mais il y en a 3 ou 4 pour la couleur. À Paris, il y a d'autres labos. Il y a un seul en noir et blanc. En noir et blanc, oui. Et sinon,
Sinon, pour ce qui est de moi, alors pourquoi je ne fais pas du numérique? C'est parce que comme quand je faisais du cinéma underground, justement comme Les Hautes Solitudes, on en parlait, j'étais mon propre caméraman, donc je sais très très bien faire marcher une caméra 35, je sais très bien faire marcher une table de montage 35, et je n'ai pas envie de réapprendre des nouvelles machines. Je n'ai pas envie d'apprendre comment fonctionne une caméra numérique, où il faut appuyer pour qu'elle démarre et où il faut appuyer pour qu'elle s'arrête. Parce que je vais en avoir pour des années, parce que quand même pour apprendre. Oui, mais c'est faux, parce qu'à chaque fois vous dites là, puis ah, ça ne marche pas après. Bon, alors, ah oui, mais il y a des faux départs. Oui. Ah ben ça, il y a cette fois-ci, ça marche. Et tout. J'ai horreur de l'incertitude que crée le numérique sur le fait que ça tourne. C'était quelque chose de très... Donc j'y vais pas, comme les autres, et je vais continuer à tourner en 35 et j'y arriverai, et quand il y aura plus de 35 en France, ben, je m'arrêterai, ça ferait une bonne raison. Mais pourquoi j'en... Ah oui, mais on peut faire d'aussi beaux films en numérique, c'est pas la question. Je parlais de La vie d'Adèle, c'est un film en numérique. Le dernier film de Jarmusch, Seuls les amants survivront, c'est un film... Voilà, ben ça c'est un film en numérique, il est magnifique. Mais il faudrait que je travaille énormément pour arriver à comprendre les machines numériques. Et c'est très agréable pour moi de faire du cinéma de nos jours en confiant la photo ou le montage à des monteurs ou à des opérateurs et sachant moi-même faire ce qu'ils font. Ça me donne une autre attitude vis-à-vis du montage et du tournage. Et d'autre part... parce que j'ai quand même 67 ans, moi j'ai pris, quand est arrivé le numérique, j'ai fait, mon frère a fait pareil, que j'ai un frère qui vit, qui n'est pas artiste, mais qui est comme moi, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de téléphone portable, donc je vois pas pourquoi j'aurais une caméra numérique, ou une table de montage numérique, parce que c'est quand même des machines que je sais pas faire marcher, que j'ai pas essayé de faire marcher, et que je sais pas faire marcher. Et c'est pas très grave parce que par chance, il se trouve qu'on peut recopier en numérique un travail traditionnel de film, comme je fais. Là, vous avez vu le film en numérique et il est tourné en 35. C'est pas très compliqué à faire. Et aussi la raison pour laquelle. Oui, c'est ça, ça c'est le numérique. Mais par rapport au noir et blanc, alors il y a une chose, c'est que maintenant le noir et blanc est revenu, parce qu'en numérique, plein de gens font des films en noir et blanc quand même, non? Enfin, des gens font des films en noir et blanc. Et à un moment, il avait complètement disparu. Il y a une vingtaine d'années, il n'y avait plus de films en noir et blanc, ça devenait très très compliqué. Et c'est le directeur de la Cinémathèque française qui m'avait dit qu'en fait, le noir et blanc ne peut pas disparaître parce que le cinéma a été inventé en noir et blanc. Donc on ne peut pas perdre l'origine. Donc c'est un peu comme si on disait aux les peintres, au moment où est arrivé l'acrylique, tout le monde s'est mis à peindre en acrylique, mais c'est pas pour ça que la peinture à l'huile a disparu. On trouve toujours de la peinture à l'huile chez les marchands de couleurs. Et donc, il y a quelque chose qui ne peut pas bouger dans le cinéma, qui est que c'est justement parce qu'il n'y a pas de progrès, on pourrait dire, l'art n'a pas de progrès, mais d'autre part, ces machines, on ne peut pas lui apporter un progrès. C'est parce que c'est un art, comment. Donc, c'est-à-dire un film de Louis Lumière ou un film d'aujourd'hui, ben c'est en gros c'est exactement pareil. C'est-à-dire c'est... Voilà. D'abord parce que je préfère tourner en noir et blanc, aussi parce que je sais faire marcher. Pourquoi 35? Parce que je sais faire marcher les machines et que je préfère travailler avec des outils que je connais, même si c'est plus moi qui les tiens. Mais d'autre part, si je suis professeur de cinéma, de nos jours, je ne conseillerais pas du tout à un jeune homme de faire du 35 mm. Hein. Je lui dirais, il faut que tu fasses des films avec des petites caméras numériques. Et je lui dirais, par contre, il faut que tu travailles énormément tes scénarios. Il faut que tu fasses des scénarios qui soient très, 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 très élaborés, avec des très bons dialogues. Et il faut que tu travailles avec tes acteurs énormément, 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 pour qu'ils jouent juste tes dialogues et tes situations, et après tu peux filmer ça avec une petite caméra amateur numérique, on gonflera ça après, et si c'est bien joué et que le scénario tient debout, tu seras remarqué par rapport aux dizaines de milliers de personnes qui font des films numériques dans tous les pays du monde, et donc c'est devenu un peu comme la peinture, c'est pour arriver à faire quelque chose qui passe au-dessus de la mêlée.
je lui conseillerais pas du tout de tenir des techniques. Parce qu'à l'époque, je faisais du 35, comme disait Philippe Azoury, je travaillais avec des chutes vierges que je récupérais dans les productions ou sur les tournages, la pellicule qui était inutilisée, qui restait, les morceaux de pellicule, les petits morceaux de pellicule quand on décharge la caméra pour pas que la caméra soit vide au milieu de la prise. On décharge souvent la caméra en 35. Et donc je travaillais en faisant le tour des productions, mais ça n'existe plus puisque beaucoup moins de gens tournent en 35. Donc c'est pour ça que c'est pas une méthode, c'est une méthode par rapport à ma situation. Le fait de continuer le 35 parce que là où j'en suis et tout, et puis de le faire recopier en numérique pour le diffuser, comme mes derniers films. Mais à mes élèves, réalisateurs, je ne conseillerais jamais de nos jours de maintenir en 35. Je leur dirais, il faut simplement, il faut que ça soit joué très très bien et il faut que ton histoire soit très captivante. Parce que si et après, tout le reste, toute la technique fait au plus simple. Et si l'histoire est captivante et bien jouée et tout, eh ben, ça se remarquera parce que c'est quand même dans tout ce qu'on voit qui est tourné comme ça, parce que maintenant il y a des millions d'images qui sont tournées chaque jour et tout. Ce qui ne tient pas, c'est principalement que les gens n'ont rien à dire et qu'en plus c'est joué assez faux. On pourrait dire un peu. Accessoirement, tes films en 35 noir et blanc pourront être conservés beaucoup plus facilement dans la longue durée. Que les choses numériques, parce que les disques durs et les bandes magnétiques sont beaucoup moins résistants, on ne sait pas si ça va être lisible dans 15 ans, alors qu'une pellicule noir et blanc, ça dure facilement 100 ans, 200 ans, et même à Hollywood, quand ils tournent en numérique, ils font des copies en 35 pour les préservations, en noir et blanc, donc ces films vont survivre. Oui, je ne pense pas du tout que le 35 va disparaître. Je pense ce qui risque de disparaître, c'est qu'il y ait des labos dans chaque pays. Comme ils disent déjà, PIP, il faut aller au Japon pour développer si on fait un 35 ici. Il y aura toujours du 35 mm et il y aura toujours de la conservation en 35 parce que ça peut être restauré, alors que le numérique ne peut pas être restauré. Mais par contre, le fait, l'activité de cinéaste, si vous êtes obligé de faire traverser trois frontières à votre négatif, c'est et difficile, et coûteux, et dangereux, en plus, parce que c'est pas et difficile. Et alors, donc, c'est sur la question pratique d'un tournage où il faut être prêt, quelque part, des laboratoires et du 35 mm. Et ça, c'est pas sûr que ça soit faisable dans tous les pays du monde. Et même si on sait que maintenant à Hollywood, il y a tout un groupe de réalisateurs qui tournent en 35, même si on sait que les metteurs en scène de la publicité tournent la publicité en 35 et la recopient après en numérique, c'est la question du marché et des fournisseurs de 35 mm. Si ce n'est pas réparti dans chaque pays sur le globe d'une manière possible, c'est là où ça devient compliqué. Mais oui, c'est ça, c'est juste parce que j'ai peint toute ma vie d'une certaine manière et j'ai pas envie de changer de technique. Et c'est par rapport à où j'en suis précisément. Mais je vous dis, pour quelqu'un de la nouvelle génération, au contraire, le numérique, c'est sa chance. Pour quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui et qui veut faire des films, c'est une chance qu'il puisse faire ça avec des caméras amateurs et qu'on puisse... qui coûte très, très peu cher et qu'on puisse recopier ça pour être projeté dans les salles de cinéma, quel que soit le premier support sur lequel c'est tourné, c'est une chance. Parce que donc c'est pas par nostalgie ni par que je reste en 35, c'est juste c'est ma situation à mon âge, par rapport à mon histoire, par rapport à mon savoir technique, c'est plus pratique et je suis pas contre le numérique de principe, je dis juste pour moi. Oui. 프랑스에서는 그런 극장에서 35mm 영사기로 트는 극장들이 많이 있는 건지 예를 들면 영사기가 저희 같은 경우도 중고 영사기를 살 수밖에 없었거든요. 그러니까 새로 생산이 영사기가 35mm 영사기가 새로 생산되고 있지 않다고 들었어요. 이태리에 공장이 한 군데가 있다라는 얘기는 들었는데 35mm를 찍고 싶지만
근데 문제는 그 극장에서 많은 극장에서 더 이상 35mm 영상기로 상영을 하지 않는다라는 게 또 현실이 됐기 때문에 어떻게 보면 또 실용적인 그런 그 의미로 볼 때는 이게 결코 쉽지는 않은 작업이 될 것 같습니다. 현장비도 굉장히 비싸잖아요. 사실 그 이번에 저희 그 35mm 영상하는 전시 작품도 마찬가지로 현상비가 예전에 비해서 굉장히 예, 비싸졌거든요. 네. 네. Les projecteurs film argentiques sont plus simples et moins chers que des projecteurs numériques qui d'ailleurs sont sans cesse renouveler et il faut acheter du neuf, du mieux. Les projecteurs 35 sont les mêmes depuis 50 ans et puis ils marchent pendant des décennies sans avoir, sauf qu'à changer l'ampoule, il n'y a pas de problème. Les projecteurs numériques sont très fragiles, très compliqués à câbler. La technologie est plus fragile, mais je dirais que l'important pour nous, je pense, c'est que la technologie ancienne n'est pas liée au capitalisme d'aujourd'hui. Les grandes sociétés qui fabriquent des projecteurs numériques et des caméras numériques doivent vendre pour faire un bénéfice, alors que si tu trouves une vieille caméra argentique ou un projecteur argentique, tu l'achètes d'occasion, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de capitalisme qui est concerné. Tu peux toujours trouver des bons matériaux argentiques et l'image sera d'une qualité impeccable et on peut toujours repiquer cette qualité impeccable sur le numérique et sur toutes les générations numériques à venir pour toujours 4K, 8K, 16K. On peut toujours revenir à l'argentique et ça sera toujours la source. 또 질문을 좀 더 예. 네. 저는 루이 갸렐 아드님에 대해서 좀 질문을 드리고 싶은데요. 아까 그 영화를 만드실 때 경제적 부분을 교류 고려해야 된다고 말씀하셨는데 혹시 그런 이유에서도 루이 갸렐을 계속 감독님의 영화에 계속 출연시키는 건지 그런 질문도 해보고 싶고요. 또 하나는 그래서 어렸을 때부터 루이 갸렐을 계속해서 이제 감독님의 영화에 출연을 시키셨잖아요. 지금까지 그거는 어떻게 보면 저는 아까 예술에 있어서 뭐 진보나 진화가 없다라고 말씀을 하셨는데 저는 그런 어떤 어렸을 때의 루이 갸렐의 모습도 그다음에 청년기의 루이 갸렐의 모습, 지금의 모습 그거를 담는 어떤 뭐랄까 거기서 오는 즐거움이 또 있으신지 그것에 대해서 또 질문을 드리고 싶습니다. Au départ, je travaillais il y a très longtemps avant d'avoir des enfants, je travaillais avec mon père. J'ai tourné un des films que j'ai fait, dont je suis fier, qui s'appelle Liberté la nuit, était joué par mon père. Et donc, j'ai toujours trouvé quelque part le fait de travailler avec ma famille. Et ça, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est très rare dans le cinéma. Ça existe beaucoup dans le cirque ou des domaines comme ça, de travailler avec sa famille, mais dans le cinéma c'est très rare, et on m'a dit que l'autre famille auquel je faisais penser, c'était les Mac Malbaff. Vous voyez ce que c'est Mac Malbaff? Les films de Mac Malbaff et de sa fille, etc. et tout. Et ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est les gens qui tournent avec les hommes qui tournent avec la femme qu'ils aiment. Ça existait beaucoup, ça, quand même, dans le cinéma. Le fait de travailler avec sa famille, c'est une autre manière, quelque part, de rendre un tournage de film, justement, comme moment non séparé de la vie. Parce que si vous travaillez avec vos enfants, quand ils sont grands, ceux qui ont des enfants âgés, adultes, le savent, on ne les voit plus beaucoup, ces enfants, une fois qu'on les a élevés. Et donc c'est une bonne manière de les voir, de travailler avec eux. Donc c'est déjà quelque chose qui appartient à la réalité de la vie.
Et pour ce qui est du cas plus précis de Louis, donc comme mon père est mort, alors donc je suis arrivé à faire jouer le grand-père avec le petit-fils, c'est-à-dire mon fils avec mon père. Ça, c'était peut-être les moments les plus artistiques, où je me suis senti le plus artiste, comme quelqu'un qui peint sa famille. Quand je suis arrivé dans Les Amants réguliers et dans Un été brûlant, à faire une scène qui était jouée où il y avait Louis, mon fils, et mon père, Maurice. Après, quand mon père est mort, et que maintenant je fais de temps en temps ou souvent des films avec Louis, ou avec sa sœur Esther, qui est comédienne aussi, qui est un peu plus jeune que lui. Quand j'ai fait jouer dans La Jalousie, par exemple, Louis avec sa sœur, pareil, je me disais, c'est le moment où j'ai éprouvé un plaisir, j'ai pensé, ah, Picasso devait ressentir ce plaisir quand il peignait ses enfants. C'est extraordinaire de filmer une scène avec son fils et sa fille qui jouent un dialogue, etc., avec toute une équipe technique et d'être là en train de les filmer. C'est pour ça que je disais, c'est un plaisir artistique très fort. Et pour ce qui est de Louis, si vous me demandez, en fait, c'est plutôt lui qui m'aiderait. Si j'avais un problème complètement économique et qu'on voulait plus me produire de film, je pense qu'il faudrait mieux que je demande à Louis, est-ce que tu veux bien jouer le premier rôle ? Et j'aurais plus de chances de trouver un producteur que sans lui. Donc ça s'est inversé, c'est lui qui, quelque part, peut me rendre le cinéma possible. Parce qu'il est connu de gens beaucoup plus... Il est beaucoup plus populaire que moi en France. Il est pas... Et donc, quelque part, c'est plus lui qui m'aide par rapport au fait de pouvoir entreprendre un film quand je travaille avec lui, que moi qui lui donne une chance, de nos jours. Sinon, pourquoi je trouve ça intéressant de travailler avec... son fils ou mon père comme je travaillais ou comme des metteurs en scène ont trouvé intéressant de travailler avec leur femme quand leur femme était actrice, quelque part dans notre génération il y a eu une critique très très forte de ce qu'était le spectacle comme étant la vie inversée par les situationnistes, ils appelaient ça la c'est-à-dire la fausse vie, comme si le spectacle c'était de la fausse vie. Il y a eu toute une critique sur justement, où il y a des poèmes aussi de Jim Morrison, je ne sais pas si vous connaissez son livre, Jim Morrison, le chanteur des Doors, qui est mort il y a très longtemps, il a écrit des choses qui rejoignent sans savoir le situationnisme, c'est-à-dire qu'il a écrit qu'on était des tribus. Et des humains qui dansions sur les montagnes, et maintenant on est des humains qui sommes assis dans des salles obscures et en train de regarder une fausse vie sur un écran, ce qui est vrai quelque part. Et ça rejoint la critique situationniste, c'est-à-dire comme si le spectacle était de la fausse vie et qu'on était devenus juste des spectateurs de vie fictive qui seraient. Et comme ça a été très très fort dans notre génération, cette l'influence des situationnistes, parce qu'on les a compris, moi j'ai ça dans le cinéma, que quelque part j'ai un rejet du fait de travailler sur des films, etc. et tout. Et des fois, pour moi, travailler, même si j'adore les acteurs, travailler avec des acteurs, je disais tout à l'heure à une journaliste, c'est un peu comme les peintres, si vous prenez Ingres, on peut très très bien voir dans les tableaux de Ingres, vous voyez qui est Ingres, un peintre français, Ingres, vous voyez, non ? Enfin, dans la peinture classique, on voit, il y a une très grande différence entre les femmes qu'il a peint par plaisir, et les sujets, et les personnes qu'il a peint par plaisir, et les tableaux de commande où il a peint des nobles de l'époque pour pouvoir avoir de l'argent pour vivre, il a peint contre un salaire. Quand ils faisaient des portraits de commandes, ce qu'on appelle des commandes. Et quelquefois, moi, avec les acteurs, quand j'ai pas quelqu'un de mon monde affectif, soit mon fils ou ma fille, ou soit mon père dans le temps, ou des compagnes que j'ai eues il y a très longtemps, j'ai l'impression d'aller faire un portrait de commande. Et
j'ai toujours eu, depuis très longtemps, depuis le situationnisme, ces impressions parallèles à eux, que quelque part, c'est comme si ça appartenait à la fausse vie. Mais si vous avez rendez-vous sur un plateau avec votre fils, vous avez rendez-vous avec votre fils. Avant d'avoir rendez-vous sur un plateau, vous avez surtout rendez-vous avec votre fils. Et donc c'est de la vraie vie. C'est une manière d'avoir que le cinéma ne soit pas coupé de la vie. Et donc voilà pour mes rapports par rapport à Louis. Et sinon, par exemple, le fait que j'écrive avec Caroline, qui est ma femme, parce que Caroline n'est pas une actrice, mais une réalisatrice, donc elle sait écrire des scénarios, c'est quelque chose qui pour moi est très... justement, ça met aussi mon travail de metteur en scène dans la vie. C'est-à-dire que quelque part, le scénario que j'ai, ou les dialogues que j'ai, ça appartient à mon inconscient, mais ça appartient aussi à un de mes proches, à l'inconscient d'un de mes proches, et ça me laisse dans la vraie vie, quelque part. Donc, quand je fais ça, oui, c'est plus comme les gens du cirque. C'est-à-dire, dans le cirque, il y a une tradition qu'on travaille. Les enfants du cirque, la plupart du temps, travaillent, ils choisissent leur métier. Le fils du trapéziste, il va être clown. Le frère du clown, il va être dompteur. Mais je veux dire, c'est normal qu'on travaille en famille. Et il n'y a pas... Je disais aussi ça à la journaliste, il n'y a pas cette espèce de critique qu'on fait dans le spectacle sur... Il y a beaucoup ça sur Internet, la critique. Les enfants d'artistes qui se mettent à devenir artistes eux-mêmes sont très critiqués. Ils sont les fils d'eux, les filles d'eux, etc. Et on les montre du doigt comme ça, d'une manière critique. Dans le cirque, ça n'existe pas. C'est tout à fait normal, si vous êtes fils de trapéziste, de vouloir devenir clown ou de vouloir devenir dompteur. On ne dit pas « Ah, ben oui, c'est normal, c'est parce que c'est un fils de forain qu'il est forain. » On trouve ça normal qu'un fils de forain soit forain. Moi, je trouve ça normal qu'un fils d'artiste soit artiste. Je ne trouve pas qu'il y a là un privilège usurpé. Et donc, je travaille avec lui. Oui, c'est ça, pour des raisons de logique intime. Parce que je trouve que c'est comme ça que c'est agréable de peindre. De filmer et de construire des œuvres sans que ça soit justement hors de la vie ou de la fausse vie, ça garde quelque chose de la vraie vie. Voilà. Philippe, tu parlais de Liberté la nuit, un film que tu as tourné en 1983 avec ton père. Il y a à la fin de Liberté la nuit une des scènes que je trouve les plus belles de toute ton œuvre, où on voit donc ton père qui avait joué quasiment une soixantaine d'années, ou 55-60 ans, au moment du tournage de Liberté la nuit, et tu le filmes de façon très pudique et très sensuelle, mais très pudique, ton cinéma est pudique de toute façon, au lit, dans un lit avec une jeune femme. Et ça, pour moi, c'est une des scènes les plus extraordinaires de ton cinéma, parce qu'à la fois c'est ton père, mais ça rejoint ce que disait notre ami tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsqu'on voit le plan, on voit un homme, on voit un homme et une femme. On voit quasiment, c'est comme si pour la première fois on voyait l'homme et la femme. Tu vois ce qu'il disait là. On voit plus l'acteur, on voit plus le personnage, on voit même plus le père. C'est encore un autre niveau. Ou alors on voit tout ça à la fois, je ne sais pas comment l'exprimer. Mais je me demandais comment tu avais appréhendé cette scène-là, tu vois, en 1983, au moment où tu dois demander à ton père, qui est quand même ton père, de t'allonger dans un lit avec une femme, elle est nue. Tu vois, enfin, c'est des choses d'un coup, ça met en jeu et ça met en relation des choses qui sont très étranges, qui échappent au cinéma. Tu te souviens ? Oui, je me souviens, mais c'est aussi parce que, imaginez ceux qui ont des enfants, et il n'y a pas besoin d'être cinéaste pour ça, ceux qui ont des enfants, par exemple, en éducation, si vous parlez des petits amis ou des petites amies de vos enfants, si vous parlez avec eux, forcément, vous êtes... À un certain moment, on se trouve en train de leur parler de ça. On parle de l'amour d'une certaine manière avec eux. Quand on parle de qui est ton petit ami, et qui tu vois, ou qui t'a laissé tomber, ou pourquoi tu es triste, on parle de l'amour d'une manière qui est extrêmement pure en éducation. Et en fait, sur un plateau de cinéma, si vous faites des films d'amour, comme moi je fais des films d'amour, comme c'est le genre de film que je fais, ça implique justement que vous parlez sous un certain angle de l'amour.
Et c'est ce même angle dont je vous parle en éducation quand il ne s'agit pas d'art, c'est-à-dire, on pourrait dire, de ce qu'on appelle l'amour en vrai. Et quand est-ce qu'on parle de l'amour en vrai, c'est très rare. On peut en parler avec ses parents, on peut en parler avec ses meilleurs amis, mais c'est à peu près tout. Et sinon, quand on parle des relations amoureuses dans la vie courante avec d'autres gens, on ne parle pas, on pourrait dire, on se confie pas, de l'amour. Oui, c'est ça, on ne se confie pas. Et donc, à la fois, quand on travaille avec sa famille, il y a un tabou qui fait qu'on ne peut pas faire, je ne peux pas filmer mon fils dans des films, dans des scènes charnelles, des choses comme ça, parce que c'est le sentiment de l'inceste qui l'interdit. Mais par contre, si je tourne avec mon fils, je vais parler de l'amour en vrai, toujours. Quand je vais lui dire, tu joues tel personnage avec telle actrice, évidemment, c'est quelque chose qui est... Alors donc, ça, à la fois, ça interdit quelque chose, qui est toute une partie de l'amour charnel, comme on voit beaucoup plus, il y a beaucoup plus... Par exemple, j'aurais pas pu faire L'ombre des femmes avec mon fils. Parce qu'il y a des scènes, même si je suis très... Toujours, je suis très pudique et je montre pas les enlacements ou les gens qui font l'amour. Je montre jamais des choses comme ça. Je fais toujours des ellipses. Mais quand même, vous voyez bien qu'il y a des scènes de, je sais pas, quand vous voyez la scène où l'acteur dit à sa femme, c'est comme ça que tu baisais avec lui quand il parle de. Parce qu'elle avait un amant qu'il a découvert, c'est comme ça que tu baisais avec lui, on ne peut pas tourner ça avec son fils. Je ne sais pas comment vous expliquer, ce serait quelque chose qui serait très désagréable à faire, à cause de l'inceste, parce qu'on aurait justement, ça serait dans des conditions incestueuses. Et alors donc ça interdit tout ce qui est physique, ça interdit toute représentation de l'amour physique, le fait de tourner avec son père ou son fils, mais en même temps, ça amène qu'on parle de, on pourrait dire, d'amour fou, ou l'amour spirituel, beaucoup plus. Ça amène une vérité parce qu'on parle d'un type d'amour et d'un type de relation entre les êtres. Et donc, ça, ce qu'on perd sur le plan de la représentation physique, on le gagne sur le plan spirituel. Mais justement, vous pouvez comprendre que je n'aurais pas pu faire L'ombre des femmes avec mon fils. Et c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas tourné avec lui, c'est parce que c'est un sujet qui parle justement de la trahison physique. Alors donc on ne peut pas... C'est des endroits où on parle... Moi, je ne sais pas, moi je ne parlais jamais... Je parlais d'amour avec mon père, mais je n'ai jamais parlé de sexualité avec mon père. Il me disait juste la sexualité, ça ne regarde que soi. Mais c'est une chose dont je ne parlais pas avec lui. Donc, tourner avec des gens de sa famille, ça implique un type de sujet ou un type de film. Mais c'est pas, il n'y a pas que des choses interdites. Ça sacralise certaines choses, c'est-à-dire la spiritualité de l'amour, et au contraire, ça interdit toute la part charnelle de l'amour.